Pour moi là qui remet football et nous connaissons nous arriver dans dernière ligne droite après-midi dans Coupe d'Europe des Nations côté pendant 3 semaines Fanatique Bonboule ben t'as une opportunité pour joindre et chaque presque après-midi au début ou bien chaque 2 jours et bien sous chaîne en télévision pas bon ici ou bien chaîne internationale yo et bien meilleure équipe de football qui gagne en Europe en tout cas c'est pour pas dit tout et meilleur joueur qui gagne sur la terre bénie parce que là nous on est en cours Ronaldo qui a joué dans Real de Madrid et bien monsieur lui-même c'était une dans grande vedette. Eh bien, Coupe d'Europe des Nations, il est vrai malheureusement, ben équipe Portugal là pas arrivé en finale. Ronaldo était même et pour le Paris pour shooter pénalité dans match et prolongation, il était venu en pénalité avec équipe Espagne, mais malheureusement après que Alves, monsieur c'est un défenseur, t'es raté en pénalité, eh bien les mêmes Fabregas t'es mené score 4-2. Ça veut dire même le Cristiano Ronaldo t'a vu faire 4-3. Eh bien, il a perdu quand même, nous connaissons les règles là, depuis qu'il est dans phase, ça veut dire que M. Pat même gain opportunité pour te shooter pénalité, qui fait que Portugal l'a éliminé, et eh bien, il n'est pas arrivé dans la semi-finale. Donc, à soir, nous connaissons la finale là, eh bien, c'est belle équipe là, qui a pas gain pour faire finale, depuis qu'on dit belle équipe, et si nous avons parlé d'équipe football au niveau des clubs, belle équipe, ça veut dire Barcelone. Mais et si on a dit belle équipe au niveau et des nations, nous connaissons les gens qui jouent plus bon boule, ensemble avec les Brésiliens bien sûr, pour ne pas avoir de problème jeudi, eh bien, c'est Espagnol qui d'ailleurs c'est champion en titre eh bien, au niveau européen et puis champion en titre au niveau mondial. Dans la dernière Coupe du Monde qui était faite, c'est au champion. Dernier championnat au niveau européen et il était champion. Je crois que si je bats tomber, c'est pour la première fois ça fait dans le monde. Eh bien, on joue une équipe non seulement au niveau international, il remporte la Coupe du Monde là, et puis au niveau, ça me dit, les continental, c'est Ligue Champion. Donc, on y a arrivé en finale, et bien, nous ne connaissons pas tout, il est quand même arrivé champion après-midi. Donc, tout le monde est branché eh bien, sous chaîne 49, ça dépend de où on vive, et dans l'État Massachusetts, mais c'est ESPN. Un ou bien deux, bien c'est là n'a pas regardé match ça à partir de 2h30 finale entre équipe Italie qui arrivait mettait dos à terre dans semi-finale la belle équipe de l'Allemagne, une belle équipe là un bon joueur boule et côté nous connaît c'est une équipe et qui performait au cours de ces 3 dernières années avec des joueurs extraordinaires, très jeunes, 22 ans, 23 ans, qui ont évolué non seulement dans le championnat un peu partout en Europe, mais également en Allemagne. C'est que ça fait longtemps déjà des propres équipes ban moun Karl-Heinz ou Meningue ou prend moun Sayo ou pas de joindre. Eh bien, l'Allemagne te gagne un gros joueur de football qui a joué en Europe un peu partout. Mais qu'on y a, nous a dit, n'a pas même besoin à jouer de yon. Là, on prend des équipes tant que Borussia Dortmund, on prend des équipes tant que Bayern de Munich ou qu'on prend équipe tant que Bayer Leverkusen. Eh bien, équipe Sayo, y'a gagne vraiment des joueurs de Takadi dans top niveau au niveau européen. Et même l'on regarde dans le plus gros championnat qui gagne à travers le monde, on avait parlé du championnat espagnol là, et l'on prend Real Madrid qui est champion en titre en Allemagne, qui bat le Barcelone, qui remporte sous le Barcelone de Messi, et bien, au cas où, deux plus gros joueurs qui gagnent dans l'équipe ça après Ronaldo, c'est deux Allemands, c'est Kedira, avec, j'ai oublié non, monsieur d'origine turque, et bien, c'est monsieur lui-même de Nexayo, qui est censé meilleur joueur dans l'équipe Real de Madrid. Donc, next year, retrouvé dans la sélection allemande de football. Donc, je dis à Nabgen pour nous parler ça avec comme invité, eh bien, Julio Midi, comme nous connaissons, monsieur, et pas politique seulement, monsieur parler, monsieur très intéressé tout avec question actualité sportive. Donc, c'est monsieur Nabgen Jodia pour, avec nous dans l'émission, pour parler de qui Jean final là pour le dérouler après-midi. Amis sportifs de partout, nous saluons que l'on soit coteau situé sur planète Terre. Surtout le monde qui a regardé nous sur infohaiti.net. Nous sommes capables de dire une grande partie de la planète là, très spécialement Haïti, pays côté nous sorti. Et bien pendant 3 semaines, presque pays a été sous pause. Depuis le 2h45, tout le monde net s'est branché sur la 14e édition de la Coupe d'Europe des Nations, qui a organisé Anissa dans 2 pays. Nous voyons que c'est une grande habitude qu'on y a là
Coupe du Monde organisée dans deux pays, Coupe d'Europe organisée dans deux pays, bien que ça a son débat. Il y a monde jusqu'à présent qui dit au Paris mais formule de pays. Il y a monde qui dit depuis bon parce que tellement son machine l'argent. Championnat sportif je viens de représenter, eh bien, en pile économiser, il n'y a pas l'intérêt pour prendre un seul pays pour qu'il fait toute l'argent. Ça, pendant ce temps, où tu vas diviser en deux pays, où tu as fait ouverture à l'Union, où tu as fait clôture, là, c'est-à-dire la grande finale dans l'autre, et puis tous deux pays, tu as fait au mago l'argent, jouer au football, tu as fait cob, tout le monde t'a fait cob. Et les naps songé que Coupe d'Europe, ça a né ça, toute équipe nous qui participe là-dedans, même équipe qui était participée dans le premier tour, il te gagne 1 million d'euros le fait qu'il ait participé. Et arrivé là, à la finale, là, équipe qui est champion, hein, jeudi, dimanche, là, entre l'Espagne et l'Italie, eh bien, équipe qui est champion, l'a gagné 7,5 millions d'euros. Ça, c'est seulement parce qu'il est champion. Équipe qui perd en finale, là, bon, soit l'Espagne ou bien encore l'Italie, l'a gagné lui-même 4,5 millions d'euros. Et additionné à toute cob que vous avez gagné, Pablo Mzou, le fait que vous participez ou déjà gagné 1 million de dollars. Quand vous avez passé dans le deuxième tour, vous venez gagner un lot, et sous le quart de finale, vous venez gagner 4,5 millions de dollars, et deux équipes sont arrivées en finale là, finaliste là, et gagnant, champion, l'a gagné, j'aime dire déjà, 7,5 millions d'euros, et puis équipe qui perd dans la grande finale là, l'a gagné 4,5 millions de dollars. Alors c'est pour vous dire que combien que, c'est pas ni deux ni trois l'argent qu'a brassé. L'autre remarque que nous avons fait en deux pays d'Haïti toujours, nous sommes capables de dire la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, ça, c'est quoi un radio, pas une radio qui veut dormir dehors. Tout le monde a tendance, il y a des grandes stations de radio qui fait, on renomme là, fait sport, il y a radio, c'est affaire politique, il y a radio, c'est affaire affaire culture. Eh bien, c'est quoi un radio, Coupe d'Europe, ça, tout le monde a son argent, il faut tout le monde là-dedans. Parce qu'il y a des gros commanditaires, nous avons vu ce moment là, qui ont fait gros l'argent pour la Coupe d'Europe là, mais presque toutes stations radio dans le pays d'Haïti, ils ont organisé, ils ont cherché une équipe qui vous vient commenter, qui vous vient radiodiffuser match, et puis pour réclame capable de passer, avec tout le monde météo à la mode dans la Coupe d'Europe là. Par exemple, faire de, c'est telle radio qui a une émission 4-3 émissions sport par jour, c'est telle radio qui a tel grand nom, ça. Non. Et l'autre formule qui est intéressant, c'est qu'en pile de radio, ça y est, ils prennent un argentin. Ça n'entend pas argentin, hein, un commentateur sportif, qui ne doit pas même présenter une émission sportive, là, aucune station de radio ou télévision, mais son monde que tout le monde connaît, qui connaît jouer là, qui comprend ni qui est capable de parler de lui, ben, il invite Mounsa pour venir faire commentaire avec Radio A. Naturellement, Mounsa a signé un contrat pendant 3 semaines, nan, Radio A a payé le temps, et comme ça, l'a besoin ni, l'a met Mounsa qui va Radio A publicité. On a la grande question, est-ce que y a une étude qui est capable de faire dans le pays d'Haïti pour prouver que commanditaire ça y est, qui a bail gros cob dans presque toute station radio télévision pour y patronner une transmission Coupe d'Europe là, est-ce que y a même tout y a fait cob? Est-ce que moun kap gade match là sous telle chaîne de télévision ou bien kap tande sous telle station de radio, lui dit ah mon cher, faut mal supporter commanditaire ça, faut mal acheter pour Dieu parce que c'est les mêmes qui font vivre cette grande Coupe d'Europe de football. Là, je pense que l'économie, si on a gagné du pain sur la planche, puis tu as montré nous pas A plus B, que nous t'as souhaité que le résultat positif, que commanditaire yo, yo vraiment fait plus comme comparativement à comme yo fait lorsque pas de gains et ces 3 semaines de la Coupe d'Europe cap organisé, je nous dis là, dans deux pays à Nissa. Eh bien, contrairement peut-être à ça, en pile moun te attend, parce que l'obgade parcours équipe l'Allemagne là, son équipe qui très jeune, si vous n'acceptez ça, moyenne d'âge li, son équipe qui l'a 23 ans, très jeune, son équipe qui jouait 14 matchs pour te qualifier dans la Coupe d'Europe ça, lui fait 14 victoires. Ça veut dire, il n'a pas perdu un, il n'a pas fait un match nul. Lui arrive là, eh bien, première fois il a mené sous lui dans la Coupe d'Europe là, c'est le premier match qu'il a perdu. Pour l'histoire, on a rappelé que l'Allemagne pour que jamais éliminer l'Italie dans le championnat sérieux. Nous pas dit que l'Allemagne pas jamais battre l'Italie, non. Mais qu'on batte lui la Coupe d'Europe, batte la Coupe du Monde, ça nous les confrontations directes. Mon ami a tiré ça des choucages. Ça lui dit des pour perdre. Voilà Kaiwa. Et bien l'Allemagne pour que jamais batte l'Italie la confrontation sérieuse. Eh bien, en pile analyste
Et moi, personnellement, faut me courage pour me dire que m'te l'Allemagne était légèrement favori sur l'Italie. Parce que m'a le vérité esclave et histoire que li pa jambe batli li son équipe li pa gè chance avec lui parce que équipe l'Allemagne ça m'te wè k'ap joué a volume football discipline qui te gagne l'équipe ça surtout dans tous les trois compartiments équipe là comparativement à équipe l'Allemagne et Italia qui fait un match nul avec l'Espagne qui font un deuxième match nul qui viennent classer encore là dans tir pénalité c'est quoi Mbappé Italie rivé là à la césarienne. Mais moun ki habitué avec équipe ça connaît que généralement c'est comme ça le commencer coupe du monde li c'est comme ça le commencer coupe d'Europe li mais tanné très souvent la carré magique là ça veut dire côté c'est quatre moun ka prêté a nous rappeler nous un plus gros exemple nous capable prendre c'était en 1982 côté grand pile monde qui fait connait que c'était une plus grosse équipe boule sous la terre équipe Brésil 82 avec les Zico, les Socrates et le Toninho Cerezo moun sa yo et bien la Italie qui t'a pral éliminer équipe Brésil ça sur le score de 3 goals à 2 3 goals par le Rossi t'est fait un italien qui t'est fait sortir en prison qui devine faire partie de l'équipe italienne et bien c'est lui t'a pral éliminer équipe ça que moun rele ou équipe mythique ou équipe magique ou équipe qui personnifie le football d'ailleurs gère plus gros moun gros analyse des autorités là jote là on est tant par exemple Johan Cruyff monsieur toujours essayer font liaison entre équipe Brésil 82 ça avec Barcelone nous gagne cap jouer l'année dernière avec Anessa pour montrer c'est le football chatoyant le football latin le football amusant le football luisant au moins cap que Barcelone a joué c'est les mêmes qui t'a joué en 82 en bien Italie c'est les mêmes qui t'a éliminé équipe Brésil ça et l'Italie en 82 a sorti le premier tour pour passer là deuxième tour tournoi et bien pour aller là lâcher moi au cas de pouper du voilà caillou. C'est la différence de but Italie classé pour deuxième tour. Ça veut dire pas même il y a assez de points pour te dire directement la passer dans deuxième tour, c'est la différence de but le passé, voilà c'est lui-même qui pourra éliminer cette belle équipe du Brésil, il y a l'autre spécialiste qui dit tout. Équipe ça a rentré dans l'histoire comme une équipe qui pas champion et qui était la mémoire plus monde sous la terre qui était chance ouais équipe ça a évolué. Ah, mais c'est équipe italienne ça, je vous dis, qui vient jouer avec équipe l'Allemagne ça, qui a pile monde te baille comme favori. Eh bien, depuis la première mi-temps, Italie te déjà mené 2-0. C'est Mario Balotelli, c'est monsieur Balotelli, pardon, c'est lui-même qui fait premier goal là. Un très bel goal de la tête. Ça m'a brûlé son coup de patte, monsieur fait avec tête lui. Monsieur fusillé gardien de la tête. Mais c'est comme ça, Italie te guettant a mené 1-0. Mario Balotelli, son monde, personne n'a pas parole sur l'équipe là. C'est l'unique noir, extrêmement noir, qui a joué l'équipe là. Et puis c'est bon couple la tête et tout. On est capable de dire son couple qui fait école. Parce que je dis à des pouvoirs télévision, tout côté, tout jeune petit monde. Même des joueurs de football, même Jean-Michel a fait couple là. Et si vous avez regardé, monsieur t'a parlé avec Boateng, lorsque deux équipes qui ont d'abord monté terrain, ont été campés côte à côte. Ou même, monsieur fait commentaire avec Boateng, c'est arrière latéral droite, équipe l'Allemagne là, un jeune petit monde, et bien monsieur fait un couple, un petit genre moins visible, parce qu'il est plus cheveux, mais c'est presque le même couple là qu'il fait avec Mario Balotelli. Et bien, il m'a fait connaître que monsieur de parents, et c'est Ghanéen, parents monsieur, monsieur c'est un monde qui était adopté. Parce que quelqu'un a posé question comment monsieur fait gagner nom italien ça comment monsieur fait couler ça et bien c'est un couple italien la famille Balotelli qui était adopté monsieur depuis petit et puis il bat monsieur pour tenir yo il a adopté le comme petit yo et puis monsieur vient gros joueur ball ça bien que bon le monsieur était souvent en débat quelqu'un qui était demandé est-ce que monsieur fou monsieur t'a dit que le compte du football passe Messi alors c'est monsieur jeudi à là qui fait le bonheur des Siciliens. Côté monsieur font deuxième goal extrêmement intéressant. Un deuxième goal qui rappelons, c'est vraiment un avant qui pape domi, un avant qui vient jouer, un avant qui sous-jouette. Mais ou pas de jambes mieux baloter l'un côté pour pas gon bagay quand même qui pour susciter une discussion. Et là, monsieur fait deuxième goal là. Monsieur retire maillot, monsieur pose le temps comme un qui en wrestling, qui prend le gourmet. Bon,
Parfait. C'était pour la caméra, c'est intéressant. Je suis sûr, vous allez jouer en pile photo sur YouTube, sur Internet, ou jouer même dans le journal sportif qui peut sortir avec M. Tosne. Mais quand même, il y avait un prix à payer. Parce que de pour faire ça, surtout le Tosne, par exemple, Ken Mayo en bas, c'est vous-même qui paraît tout uni, eh bien, il y a un carton jaune. Que Kounia M. Depoint carton jaune. Alors imaginons que la fin match là, tu es pour raison, M. Depoint, au deuxième carton jaune. Et comme vous avez d'abord deux cartons jaunes, vous avez automatiquement mission carton rouge. Kounia même monsieur qui est absent dans la grande finale ça, entre l'Espagne et l'équipe italienne. En tout cas, je dis à la, tout le monde connaît rendez-vous à 2h45. C'est finale, 14e édition, équipe l'Almala avec la belle équipe espagnole qui est rentrée déjà dans l'histoire. L'Espagne, même de côté parlé, nous connaît que c'est extrêmement difficile pour lui, pour te gagner équipe qui menait par Cristiano Ronaldo, équipe Portugal là. Son match qui est extrêmement important pour la sélection portugaise là, pourquoi? Parce qu'il y a un pile spécialiste qui croit que si Cristiano Ronaldo te gagne un match ça avec le Portugal, eh bien, monsieur t'es déjà mis au pied pour te remporter pour la première fois dans la ville, ballon d'or là. Qu'on y a débat, est-ce que, comme monsieur était champion avec Real Madrid, est-ce que, comme voisin, pas champion, il n'est pas champion ni dans la Ligue des Champions, ni dans la Liga, est-ce que ça a toujours mis monsieur en bonne position pour ce l'équipe ou t'as remporté et ballon d'or là, ou bien est-ce que plus t'as bail Messi encore? Mais il y a un pilote qui a parlé, il y a un monde qui a joué que nous pas besoin de citer là, Kounia là. Mais quand même, il est intéressant et c'est malheureusement pour Cristiano Ronaldo, il n'a pas gagné match ça. Match ça, nous sommes capables de dire 10 minutes, match ça, c'est très équilibré. Mais la prolongation, hein, nous pas capables de dire est-ce que c'est bouquet joueur et Portugal était venu bouquet, parce que l'équipe Portugal là, le plus jeune, nous sommes capables de dire longtemps que l'équipe Espagne là, mais la troisième et quatrième période, c'est-à-dire 15 minutes, troisième, 15 minutes, quatrième, c'est l'Espagne presque pour contre lui qui défait jouer là. Nous, il y a un exemple nous capable pour illustrer ça. C'est mouvement Iniesta, le ballon frappé, le corps gardien, il n'est pas entré encore. Mais pour une fois, à mon avis, que le football était juste. Le football était une justice parce que moi, je crois que à la fin de la journée, Espagne était plus mérité gain match avec Portugal. Et c'est ça qui expliquait que l'entier au bio, c'est l'Espagne qui vient gagner. Mais je veux dire, il est très difficile pour nous en écrire carrément pour nous dire tir au but sans nous pas font camper soit fait tir au but. Même gens, il y a pile de bac à fait dans jouet là, soit fait nous remarquer que la Coupe d'Europe ça chaque gardien yo gagner ça n'a carré au juge de ligne, Jean Vlerel là dès quand son façon puis dit il y a trois boules qui baillent qui dépassent la ligne là habite la part il pas accordé et ça passait là encore nous songe il dépasser la coupe du monde là face à le match Allemagne là il passait encore là la coupe d'Europe là et bien le juge est nécessaire il y a deux choix pour faire faut que je mette Kounia là après il y a six monde on va gagner arbitre central là on va gagner deux juges de ligne on fait trois et puis on va gagner quatrième arbitre là qui a représenté soit FIFA ou l'Union européenne ou le championnat qu'a joué là. Parce que pas oublier, il y a un rôle pour jouer tout. Et tout ça lui bat comme rapport à prendre en considération tout. Et puis, vous venez là, de chaque gardien, vous pouvez gagner un observateur, ça n'a pas brûlé, ou l'autre juge qui parle là, pour dire est-ce que d'après lui-même, il va traverser les lignes ou bien il va traverser les lignes. Ça, c'est une possibilité. Bon, bien que actuellement là, nous voyons qu'il y a expérimenté. Deuxième possibilité là, qui est extrêmement supportée par ces blaveurs, qui c'est président FIFA, c'est à faire même genre avec basketball là, mettez électronique l'enjouette là. Lorsque il y a une discussion, est-ce que boule la gol, est-ce que boule la pas gol, des gens qu'on habite basketball, ils fait, ils allé, ils rité match là, et puis allé, ils virité plat, puis ouais, est-ce que le gol, est-ce que le pas gol. C'est d'après dit carrément lui-même, c'est plus allié. Mais il y a un pilote monde qui pas supporté, lui dit que, sous fait ça, jouette là, vient nous casser mécanique. Football là, pas humain assez, j'en ai dit. Et déjà, bon, débat qu'a fait, en football là, déjà manqué créativité. Le jour que longtemps, joueur à Livin jouer, il fait
fait ça, le vle, au moins les dribbler, les ceci, les cela, mais qu'on y a là, jouer à reprendre, le fouille en don schéma, et ce schéma ça, entraîneur dit, c'est ça pour le faire, c'est ça pour le pas faire, ou le 5-3-1-2, ou le 4-3-2, ça veut dire, jouer à venir vraiment pas qu'à exprimer. Et c'est aussi la vie d'entraîner l'équipe Santos là. M'a dû rentrer, parenthèse, qui perdu la semi-finale Copa Libertadores. Et bien, que nous t'avons capable qu'on dit, c'est une sorte d'équivalent de Ligue des Champions qu'a fait en Europe là. Et bien, où t'es venu en semi-finale, Corinthians qui t'es rencontré avec Santos, deux équipes Brésil. Bon, alors, Santos là, début du Santos Kounia là, c'est équipe Neymar là. Et bien, équipe ça a perdu devant Corinthians. Kounia, c'est Corinthians qui a fait finale avec Boca Junior, ancien équipe Diego Maradona. Eh bien, premier match à lui jouer mercredi soir qui était passé à là, c'est équipe Argentine, non? Boca Junior qui t'a recevoir, qui gagne en tête les Riquelme, qu'on est, hein? On toujours à peine équipe ça tombe au battant. Malheureusement pour Riquelme, il t'a mené 1-0, presque l'en fin match là. Brésilien, très, 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 très bel goal, très technique, très brésilien. Eh bien, monsieur, égalisé, match à fini, un but partout. Qu'on y a là, deuxième match là, c'est Corinthians, la Cali au Brésil qui parle recevoir équipe Argentine. Non? Et si qu'on y a n'importe 0-0, c'est Corinthians qui parle champion parce qu'il bat un goal à l'extérieur. Alors c'est en parenthèse. Mais l'équipe Espagne, en plus, monde d'accord que ce n'est pas l'équipe ça que nous avons en 2008. Nous songez que l'Espagne a fait finale Coupe d'Europe en 2008 côté il a gagné l'Allemagne. Et ça a été déjà annoncé. Et Espagne était qu'à remporter Coupe du Monde 2010 là, qui était faite vraiment vrai, côté en 2010, pour la première fois dans l'histoire, l'Espagne était venu remporter en Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde 2010 là, qui était faite en Afrique du Sud, côté l'été bat équipe et la Hollande là en finale. Mais faut nous accepter que l'équipe Espagne là, nous avons tendance à dire son équipe qui commençait à vieillir. Parce que de 2004 à 2002, ça a 8 ans. Et là, nous disons 8 ans, n'a pas les 8 ans de professionnalisme. Des mecs capables jouer en pire match football, parce que major au statut équipe Espagne là, c'est Barcelone d'abord, et puis après le Real Madrid. Ça n'a pas empêché que vous jouez et Silva, qui est la Manchester City, ou jouez l'autre joueur, qui est l'autre équipe qui la donne. Mais en gros, nous capables de dire, c'est deux gros équipes dans la Ligue Sao, qui bâtit, c'est sous deux équipes Sao, équipe Espagne là, les campés. D'ailleurs, il y a un monde qui dit carrément, que l'homme de l'Espagne qui a joué, c'est un coup de garde en Barcelone sans Messi. Un commentaire qui n'a pas fait du tout plaisir à Mourinho, qui est actuel entraîneur équipe Real Madrid. Là, c'est lui-même qui est champion avec l'âme, c'est son portugais. Mourinho dit qu'il n'y a pas qu'à gagner 5 joueurs qui ont joué dans l'équipe pour dire équipe là est censée c'est Barcelone, l'a joué à la Barcelone. Alors, forme de Mourinho, il y a son équipe, un problème. Depuis que Barcelone n'est pas de bagaille positif, ça dérange. Même j'ai avec Cristiano Ronaldo. Depuis dit Messi, ça dérange. La preuve en est bien grande. Dernier moment, monsieur a joué un match en Coupe d'Europe là. Eh bien, ouais, il y a plus de Messi derrière monsieur. On va son plus capable de faire l'énerver. Eh bien, monsieur prend l'enchaînement vraiment vrai. Caméra montre un visage furieux. Monsieur gagné, cap gardé, joue et mounio qui a pris le Messi. Et le match, monsieur fait deux goals là pour Portugal. Il y a un goal le soir là. YouTube. Ou après côté. Le monsieur Fingol fait gol là, ou est bouche monsieur même qui a dit, mais Messi, c'est quoi Mbadou, gol li fera, Messi pas da kafel, Messi pas de konfel. Et dernièrement, le monsieur a parlé de Messi là, monsieur a même fait connaître que Messi te joue Copa América, il pas de faire un gol. Alors, c'est nous montrer que joueur a vraiment, ou monsieur gros problème avec Messi, je pense que son problème pour monsieur c'est contrôlé, parce que je ne pas quoi Messi, jamais pas rien mal de monsieur. Et depuis qu'on ça, c'est quoi Mbadou, nous sommes à Haïti, l'on est à l'école, bon, sinon, depuis deux mégas pour le nom fâché, et puis tout le reste a eu le même nom, et au même dit, il y a des gens qui conviennent fous, perdent des têtes comme ça. Nous avons souhaité, monsieur, prendre ça très au sérieux. Mais l'équipe espagnole, là, son équipe jusqu'à présent qui joue au football très chatoyant. Mais il y a une question qui a posé. Pour quelle raison on est un coup Fabregas, pas qu'à titulaire dans l'équipe là? Pas qu'à même gens qu'on est ministre à jouer, même gens qu'on est Xavier à jouer, même gens où qu'on est un pilote joué à jouer dans l'équipe là, Casillas. Pour qu'ils ont lui-même de bagage. Moi, personnellement, je pense à chaque fois que monsieur jouait, monsieur poté ou du plus dans l'équipe là. Parce que force équipe espagnole là, c'est conversation balle là.
Et moi, c'est moi-même, la semi-finale là, une erreur que l'Espagne fait dans le match Portugal là, à mon sens, c'est parce que yo essayé de terminer l'action trop derrière carré. A remarqué que yo fait un pile sur derrière carré. Et même pour l'équipe Barcelone, là, dans des places par, avec Mourinho, qui c'est essence équipe espagnole là, Barcelone faiblesse lui, c'est chef d'orchestre là. Nous voulons parler de Xavi. Mais Xavi a pris l'âge. Xavi son homme qui va gagner 33 ans, 34 ans là. Donc, la difficile pour jouer même performance là, la carte milieu terrain ça. On est cap fait qu'il joue comme ça, tout tourne autour de lui, à l'Aïssa. Mais en 2008, monsieur était jeune de 8 ans. Il faut prendre ça en considération. Et c'est une raison qui fait Barcelone, te fait choix de Fabregas là, qui était venu jouer, parce qu'il était espéré que Fabregas était capable de venir remplacer Xavi. Malheureusement, Fabregas pas joué très grand et tournoi en grande année pour l'équipe Barcelone, non, souhaitant que l'année prochaine, il est capable de mieux, mais c'est le même problème là, mais en grande équipe espagnole là, pour raison l'autre, où je, à chaque fois, monsieur Rivé, monsieur fait ça pour le faire. Tandis que après Iniesta, Iniesta longtemps moins jeune que Xavi, Iniesta a 28 ans, mais il y a une plus grosse faiblesse, Iniesta, tu es toujours gagné. Même là, il a 21 ans, même là, il a 22 ans. Pour Iniesta Bogol, après toute belle bagaille de charme qu'elle a fait dans le mi-temps terrain, c'est un de carrière pour lui vivre, un petit coucher, un petit classé et puis prendre là. C'est une fois où Iniesta fait un gol qui vous a capable de dire derrière manche malette là ou bien derrière même gros carrière, qui est très très difficile. En dans ce carrière, il est capable de mettre un gros de pied qui est étonné, mais c'est parce que lui prend un gol, il prend gol là. Mais monsieur pas gagné facilité ça. Donc, quand il y a là, il y a une équipe espagnole là qui gagne pour lui rencontrer avec l'équipe Italia. Moi personnellement, si je suis Del Bosque, qui est entraîneur équipe espagnole là, je tape dérapé le match là carrément avec Fabregas. D'ailleurs, son aigle, il joue mental, monsieur, très bon. Et je suis pour nous que le match d'ailleurs, Del Bosque dit à Bouche, il y a une table interview, monsieur Baye. Il dit que il n'a pas choisi qui monde cap shooter pénalité ni en premier, ni en deuxième, ni en dernier. C'est joueur lui dit qui bon veut shooter. D'ailleurs, Fabregas dit tout à Bouche. Il te dit pour shooter deuxième pénalité. Monsieur dit non, il a shooter cinquième. Là. Parce que en pire entrée de Dieu, joueur sud de l'IA, ou fait le shooter premier. Là, pour psychologiquement, l'équipe a cadé à peu positivement, avec dernier allié qui va le faire break là, ou qui très souvent qui va le battre l'équipe la victoire là. Ou c'est ça qui est arrivé avec Fabregas, bien que pour moi même, pénalité a pas tellement bien shooté, j'aime mon abdi à non. Pénalité a goal, goal là tel baillot et passeport pour aller en finale, tout mon abdi a bravo pour lui. Mais moi même, pénalité bien shooté, c'est le gardien font bon, boule la font bon. Pénalité Fabregas là, gardien fait même moi avec un petit crasse. De malchance, gardien était capable de jouer. En tout cas, l'essentiel a été fait. Nous avons maintenant l'Espagne et la sélection italienne en finale. Après Lydia, nous croyons que c'est Boule qui pourra rouler. Et nous souhaitons que c'est le meilleur qui gagne. Mais pour terminer, nous faut connaître que ça qui peut fait là, c'est finale entre deux écoles de football qui étaient extrêmement différentes. L'Italie a une réputation, Catenaccio, Cadena, Barré, Campita nous très bas, et puis Kounia là, très défensif, et puis l'autre jeune contre-attaque là pour le faire. Mais depuis 2 ans, avec ce nouvel entraîneur, où est son équipe qui a changé? Où est son équipe qui a joué? Jouer là intéressant. Italie a fait 5, 6, 7 passes dans le mi-temps terrain avec tambour battant, au pilo, qui est bien pile monde qui pensait, si Italie champion, mais c'est pilo qui est capable de jouer la Coupe d'Europe là. Ce sera une petite finale. Dans la finale, entre Pilo, qui c'est maestro équipe italienne, et pour gagner de l'autre côté, on va gagner Xavi, lui-même qui c'est maestro équipe espagnole. Mais pour terminer, est-ce que Pilo a bien un lieutenant, qui a plein niveau Iniesta, qui parle de lieutenant de Xavi, qui est l'équipe italienne, qui a ici le niveau ça, pour qu'il a joué le rôle de lieutenant depuis l'OA, qui vous permettre que il fait différence là, parce qu'il y a plus de monde qui croit que bataille match ça, c'est là, mi-temps terrain. C'était avec vous, Julien Midi, pour Caméra Mosaïque. Encore une fois, nous dit tout le monde une bonne finale et que la meilleure équipe gagne.